Ouais, mes frères, mes soeurs, avant de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, les frères, les soeurs. J'ai besoin de 1000 abonnés, comme ça je peux parler avec vous face à face. Ok? So, abonnez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux vous parler de. Quand votre pied touche les États-Unis, quand votre pied touche les États-Unis, il y a maintenant 20 ans que mes pieds ont touché les États-Unis. Mais la première fois que mes pieds ont touché les États-Unis, 5 ans après, j'ai retourné au pays. J'ai retourné au pays et quand je suis au pays, les gens se moquaient de moi. Mais tu as fait le tour du monde. Tu as voyagé partout. Maintenant, tu es ici avec nous, dans la galère. Ils me disaient, tu es dans la galère avec nous. Tu es dans la galère avec nous. Je suis resté dans la galère. Pendant un an sec, je viens des États-Unis. Mon argent, je suis venu au pays avec beaucoup d'argent. Des amis sont venus et m'ont demandé de l'argent. Je les ai donné. Ils m'ont demandé de cadeaux. Je les ai donné. Et quand mon argent est fini, quand je suis en galère, ils se moquaient de moi. Ah, quand est-ce que tu vas repartir? Nte, amavo Jay Bauer. Ah, Américain. Américain, Américain. Nte, amavo Jay America Bauer. Nte, we are. Ano fipo mi po ya. Embêtement, quel est we ninami? So, c'est quoi mon conseil pour toi, mon frère, ma soeur? Si jamais le bon Dieu fait que tes pieds touchent les États-Unis, il faut pas rentrer avant que tu aies tes papiers. Il faut pas rentrer avant que tu aies tes papiers. C'est mieux de souffrir ici, aux États-Unis, au lieu de souffrir en Afrique. C'est mieux de souffrir ici. C'est mieux de faire tout ce que tu peux. C'est mieux de faire des sacrifices ici, ok, aux États-Unis, et gagner ta vie parce qu'il y a tellement d'opportunités ici aux États-Unis. Tellement d'opportunités. Si même sans papier, tu peux gagner ta vie. Si même sans papier, tu peux gagner ta vie. Normalement ici aux États-Unis. Ce qui se passe en Afrique est que nos présidents, nos les gens qui sont au pouvoir sont en train de vendre le pays. Il n'y a pas d'opportunité. Les enfants vont à l'école pendant des années. Les jeunes vont à l'école pendant des années. Ils sortent de l'école. Ils n'ont même pas de boulot. C'est mieux si le bon Dieu ouvre la porte pour toi et tu descends jamais, jamais au stade. OK? En Amérique, des États-Unis. Il faut faire tout pour gagner ta vie ici. Il faut faire tout. Maintenant, après que tu as tes papiers, tu peux rentrer. OK? Tu peux acheter des parcelles là-bas. Et tu peux créer un peu de business là-bas au pays. Parce que pour te dire la vérité, la vie, c'est au pays. La vie, si tu veux bien vivre, OK? Si tu veux bien vivre,
C'est au pays. Ok? C'est au pays. Mais tu ne peux pas bien vivre si tu n'as pas d'argent. Tu vois, non? C'est pourquoi, si le bon Dieu ouvre la porte pour toi, que tu peux venir aux États-Unis, il faut rester. Il faut rester ici et bosser et faire l'économie. Ok? Faire l'économie. Il ne faut pas gaspiller ton argent. Il ne faut pas t'amuser avec ton argent. Il faut faire l'économie et acheter des parcelles, créer des business au pays. Et un jour, avec tes papiers, tu peux rentrer calmement. Calmement et vivre comme un roi. Ouais, mon frère. Et vivre comme un roi, je te dis. Tu vois, non? Parce que si jamais les derniers doués pour les États-Unis, pour les Yovotome, pour les Chine, pour les Boile, pour les derniers doués pour avoir Zéyere, pour les Kowa, Africa, pour les Chengi de Massiwe, pour les Wema tu es américain, pour les Wema tu es français, pour les Mina Lekowa, Africa. Yege, toi aussi, avi, tu vas pleurer. Toi aussi, tu vas pleurer. Ok? Je sais de quoi je te dis, mon frère. Je sais de quoi je te dis, ma soeur. C'est la vérité. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est pourquoi je te dis ça. C'est pourquoi je veux te donner ce conseil. S'il te plaît. S'il te plaît. Les États-Unis ont beaucoup d'opportunités. Mais quand tu viens ici, reste, bosse, fais l'économie, envoie ton argent au pays, achète des parcelles, achète des maisons, commence petit business. Et comme ça, tu peux aider les enfants et tes frères et tes soeurs qui sont derrière. Si tu as des femmes, si même si tu as des enfants, ok, et tu as l'opportunité de venir aux États-Unis, il faut les laisser venir ici. Il faut les laisser venir ici. Et arriver ici, tu vas bosser, tu vas trouver, tu vas prendre tes papiers. Et maintenant, tu peux aider ta femme, tu peux aider tes enfants. Tu vois, non? C'est comme ça, ma soeur. C'est comme ça, mon frère. Ok? Ça, c'est mon conseil. Si vous avez autre conseil, s'il vous plaît, il faut laisser ça en bas. Il faut écrire. Dis-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure.